It's the Swiss Recycling Show, only on 20 Minutes. Please welcome your host, Carmella. Together with the most underrated band in Switzerland, the Bento Chapos Boyos. Today's topic, the battle. La plupart des gens rêvent de paix dans le monde. Mais pour ce moment, la seule chose qui compte est le PET. Nous, les Suisses, sommes très doués pour les recycler. Je suis certain que la Suisse aurait une moyenne de 100% de bouteilles en PET recyclées si personne n'était maladroit. À cause de ça, on plafonne au 82%. Moi, personnellement, je ne jette pas les PET. J'ai des autres idées de recyclage. Je les utilise de manière rigolote. C'est toujours à la mode en Valais. Honnêtement, je suis incapable de faire des bricolages. Je suis déjà heureuse que les bouteilles en PET sont débarrassées et obtiennent une nouvelle vie. Avec des bouteilles en PET, on peut en produire des nouvelles, mais aussi fabriquer des habits, comme par exemple ce pull. Ou ces pantalons. It's like a breath of fresh air. Like it like that. Regardez les chiffres. 80% des personnes font du recyclage. Je m'en fous. Je veux 100%. 100%. Mais 80%, c'est déjà vachement bien. Regardez sur le rapport annuel, nous sommes déjà très assidus. 100%. Mais c'est techniquement pas possible. D'ailleurs, Gertrude, tu t'es encore planté dans le triage des bouteilles en plastique. Je t'ai déjà dit 1000 fois. Bouteilles de shampoing, vinaigre, huile et produits de nettoyage ne sont pas dans le PET, nom de Dieu. Je sais. Wouhou. Trier le PET et sauver notre planète. Pour y contempler ces images sans fin. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les containers de PET sont souvent décorés de dessins d'enfants ou d'autres conneries? Pourtant, la plupart des gens qui font du recyclage sont des adultes, non? Ils ne veulent pas toujours jeter leurs bouteilles en PET dans la bouche d'un dauphin. Enfin, peu importe. Mais, une usine Afrique. Je balance tout à la poubelle. C'est justement à cause de telle attitude qu'on n'est pas les champions du monde du recyclage de PET. Si tout le monde était comme lui, le monde serait un paradis. On en prendrait tous une tranche. Je suis fière d'être Suisse, spécialement par rapport au triage du PET. Nous sommes exemplaires. Pas mal de pays pourraient prendre exemple sur nous. Justement, est-ce que tu fais aussi des bricolages avec les bouteilles de PET? Ou tu as une autre histoire à raconter? Alors écris-le ici en bas. Ah ouais, pour tous ceux qui s'intéressent encore de plus en PET, on a encore quelques recommandations de films. P.T. Pet Boys. Pet Boys. Pet Man vs. Superman. The Good, the Bad and the Pet. Great Petski. Adios, petitos.